Sur les extraterrestres. Bah quoi? Donc, je disais qu'on allait apprendre des choses sur les extraterrestres, donc on va voir ça tout de suite. C'est parti. Les extraterrestres sont plus intelligents. Oui, parce que déjà, premièrement, quand les extraterrestres, ils arrivent sur la Terre déjà, et bah l'homme, il l'attend. Et après, l'extraterrestre, il vient vers lui. C'est pas l'homme qui vient vers l'extraterrestre. Parce que les extraterrestres ont plus de connaissances que les humains. Voilà. Pourquoi ont-ils plus de connaissances? Déjà, ils ont plus de connaissances que nous parce qu'ils ont des vaisseaux plus sophistiqués et ils ont des plus gros cerveaux comme ça, là. Les extraterrestres sont parmi nous. Franchement, je suis d'accord avec vous, les gars, parce que là, avec ceux qui mettent le lait avant les céréales et ceux qui mettent des œufs pour le déjeuner, franchement... Les extraterrestres nous observent. Ça, je sais pas trop, mais je pense s'ils nous surveilleraient, ça serait des dieux. Et ça c'est une théorie, on sait pas trop encore. Mais peut-être qu'ils nous surveilleraient d'une galaxie lointaine, on n'en sait rien. Donc, voilà. Si les extraterrestres arrivaient sur la Terre, nous allons dépasser le stade de la biologie et devenir des dieux post-humains. Alors ça, c'est encore une théorie qui dit que dans les prochaines décennies, il y aurait les humains qui vivront une singularité technologique et que la biologie sera transférée elle-même. Et ça, le problème, c'est qu'après, les ordinateurs, ils feront tout à nos places et puis on sera plus des humains, quoi. On sera des dieux. C'est à cause des extraterrestres, c'est pas de ma faute, moi. Non. Peut-être un petit peu. Enfin... La zone 51 est une base pour communiquer avec les aliens. Ouais, c'est une théorie qui dit que dans la zone 51, il y aurait des extraterrestres qui venaient boire leur café et puis après qui repartent. Donc voilà, c'était tout. Hein. Allez, salut! Non, la zone 51, ça serait un truc où il y aurait des corps d'extraterrestres retrouvés et qui feraient des expériences là-dessus. Donc voilà, ce serait un genre de truc comme ça, quoi. Il y aurait des extraterrestres sur Mars. Alors oui, il y aurait des extraterrestres sur Mars, mais c'est pas des extraterrestres, ça serait des petites bêtes... mais on voit pas quoi, ce serait ça en gros. Les extraterrestres s'abonnent aux chaînes YouTube. Alors ça je ne crois pas, mais si tu vois le bouton s'abonner, tu le fais. Salut! Je crois que j'ai vu un extraterrestre. Ah! Mais quoi?